Bonjour, bonjour à tous. J'ai une petite histoire pour vous. C'est l'histoire du fermier et de son voisin. À la fin de l'histoire, il y a une petite morale, un petit conseil, et chacun doit normalement se retrouver. Donc, je commence. Le cheval d'un fermier met les voiles. Pas de chance, lui dit le voisin. Peut-être, dit le fermier. Le cheval se repointe avec un deuxième cheval. Magnifique, lui dit le voisin. Peut-être, dit le fermier. Le fils du fermier part en balade avec le nouveau cheval, tombe et il se pète la jambe. Pas de chance, dit le voisin. Peut-être, dit le fermier. Le lendemain, l'armée réquisitionne tous les jeunes hommes, excepté le fils du fermier. Magnifique, lui dit le voisin. Peut-être, dit le fermier. La morale de l'histoire, c'est qu'on ne connaît pas les conséquences de nos choix. Mais tout ce qu'on peut espérer, c'est que des gens brillants et prévoyants soient capables de les faire pour nous. Je n'ai pas inventé cette histoire. C'est quelque chose qui m'a beaucoup touchée. Et pour ceux qui sont fans de séries de télévision comme moi, je pense qu'ils ont dû reconnaître où est-ce que j'ai récupéré ce texte. Vous avez certainement avec vous des amis, des personnes de confiance sur qui vous pouvez compter. Des personnes sur lesquelles vous vous reposez quand vous ne savez plus où mettre la tête. Des personnes qui prennent des décisions et qui font des choix pour vous. Faites savoir à cette personne combien vous les aimez et combien vous êtes reconnaissant de les avoir auprès de vous. Car la vie est très très courte et nous ne savons vraiment pas ce qui nous attend. Moi je vois au loin cet ami, je le pointe du doigt. Et j'espère que cette personne restera toujours et toujours avec moi pour m'aider, m'accompagner, essuyer mes larmes et je ferai de même. As-tu cet ami? Ça, c'est la question. Un autre petit adage qu'on dit souvent. Dis-moi qui est ton ami et je te dirai qui tu es. Les amis, c'est très important. C'est comme une deuxième famille. Bon, j'ai fini. Je vous laisse à vos occupations. Et surtout, ramenez-moi plein d'histoires. Ciao!